déjà utilisé. C'est une eau minérale naturelle aux vertus thérapeutiques cliniquement prouvées. C'est ce qu'il faut, c'est les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'on appelle une eau minérale, une eau thermale. D'accord ? Donc il faut qu'elle ait des vertus thérapeutiques, des vertus médicales qui sont cliniquement prouvées. C'est le cas pour la source d'eau thermale d'Avesnes qui existe dans le sud-ouest de la France, dans la région de Toulouse, dans un petit village qui s'appelle le village d'Avesnes, et la source s'appelle la source de Sainte-Odile. Et donc cette source et cette eau thermale a une histoire qui est très intéressante. Je vous invite à la découvrir à travers ce petit film, cette petite séquence de vidéo qui retrace l'historique et les points importants dans la découverte et l'utilisation plus tard de cette eau thermale pour ses vertus thérapeutiques. Je vous invite maintenant à découvrir les points forts et les vertus de notre soin, de nos soins solaires à Avesnes. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un actif photoprotecteur. Donc un écran solaire contient des actifs photoprotecteurs. Qu'est-ce qu'un actif photoprotecteur? En fait, c'est un ingrédient cosmétique un peu spécial. Pourquoi? Parce qu'il doit être, il doit prouver son efficacité. Ça veut dire qu'il doit assurer une couverture spectrale dans les UVA et les UVB qui sont les rayons, les rayonnements solaires nocifs. Donc le photoprotecteur doit offrir une couverture spectrale complète dans les UVB courts et lents, mais aussi dans les UVA courts et lents. Il doit offrir une sécurité maximale, c'est-à-dire une innocuité. Et puis, on doit être vraiment vigilant avec ces actifs. Il faut vraiment veiller à enregistrer auprès des autorités de santé tout dépassement ou tout risque d'allergie ou tout risque d'irritation. Niveau formule, nous avons reformulé les écrans. Donc, nous avons enlevé le dioxyde de titane. Donc, la formule 2012 contenait du dioxyde de titane. Nous l'avons enlevé. Pourquoi? Parce que le dioxyde de titane est un filtre minéral et qui donne cet aspect blanchâtre à l'application, qui peut, chez certaines personnes, avec un phototype foncé, virer même au bleu, violet bleu, d'accord? Donc cet actif-là, nous l'avons enlevé. C'est pour ça qu'on a gagné en transparence sur le plan texture. Donc, deuxième actif que nous avons enlevé, c'est l'octocrylène. Et bien pourquoi? Parce que chez Pierre Fabre, on ne joue pas avec la sécurité. La sécurité, c'est la règle principale à laquelle nous obéissons tout le temps. Et comme nous avons dénombré 117 cas d'allergie à l'octocrylène dans une crème médicamenteuse, pas dans les écrans, hein, pas avec la concentration qui existe au niveau des écrans, nous sommes vigilants, nous avons enlevé l'octocrylène. D'accord? Nous l'avons bien sûr remplacé par d'autres filtres pour pallier aux trous au niveau du spectre. Action anti-radicaux libres. Les radicaux libres, c'est quoi? Ce sont des molécules toxiques qui augmentent au niveau de la peau lorsqu'on s'expose au soleil ou lorsque nous avons une alimentation très faible en légumes, fruits, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut manger des fruits et des légumes parce qu'on va diminuer les oxydants, on va diminuer les radicaux libres au niveau de notre organisme et aussi au niveau de notre peau. Les radicaux libres sont aussi responsables du vieillissement cutané prématuré. Et donc, pour avoir une protection solaire efficace, il faut se soucier des rayons UV, mais aussi des radicaux libres. Et donc, chez Avesnes, nous avons introduit un nouveau actif qui va avoir un rôle anti-radicalaire. Donc, la molécule de référence que tout le monde utilise, c'est la vitamine E, c'est le tocopherol. Mais cette molécule a des inconvénients puisqu'elle est sensible à la lumière, donc elle est vite détruite dès qu'on s'expose. Or, le but, c'est d'avoir une protection antiradicalaire en s'exposant au soleil. Elle est détruite par l'oxygène, donc lumière et oxygène, c'est vraiment les ennemis de la vitamine E. Et puis, elle a une pénétration très limitée au niveau des cellules cutanées, particulièrement la gamme orange. Vous êtes protégé contre les rayons UV grâce à un système photoprotecteur contenant 4 filtres solaires. Donc, ça va vous protéger contre les rayonnements nocifs UV. C'est complètement photostable, vous avez jusqu'à 4 heures de protection. Bien sûr, si vous êtes en condition d'ensoleillement extrême, c'est-à-dire à la plage, vous allez vous baigner, vous allez plonger, s'il y a des vagues en plus,
on va diminuer la durée à 2 heures. On a décidé de ramener ici les SPF 50+ à Kahawadesh, car nous sommes considérés comme un pays à fort ensoleillement. Donc moins que SPF 50+, ce n'est pas efficace pour nous. D'accord? On a beaucoup de soleil à partir du mois de mars. Donc à partir du mois de mars, il faut passer à l'SPF 50+.